Welcome to my channel Tech and Wheels with Pat. La partie française dans la description. Today we're going to talk about EVs in the winter, and I will start with go with three topics. The first one would be prevention, the second one would be battery, and the third one will be comfort. But first of all, I would like to give a big shout out to the MGEVs community, with over 2,600 members, professionals, and MG owners. And they I put the link in the description. You have to go and have a look. I mean, and if you have questions and so on, they are really great to answer. And they have as well a podcast on Mondays, and I'll also put the link in the description for those guys, because they do a tremendous job. So help them, and don't forget to help me and as well and sign up on my channel. So let's start with the prevention. I usually use something called silicone spray to spray the door side, or the plastic on the outside the door, so that when it's a little bit humid and it freezes. Here we have about minus 11, so it's nice to be sure that you can open your door and get in the car. So talking about opening the door, I would spray as well the door handle with a little bit of silicone, the hatch in the back as well, and definitely the charging port. That helps. Last winter I had to drive with the charging port half open, so this is very good to do. So this is for the prevention. When it comes to the battery, what you can do as well, you know that the battery, you lose about 20-25% of effect in winter due to the cold, because when the battery is too cold, it doesn't give as much effect, and when it's too warm, it overwarms. So to prevent this, they have a car that have a possibility to warm up the batteries. So use this. If you don't have the possibility, try to have to put it in a garage to keep the battery a little bit warm. If you don't have the possibility and you have to have the car outside, so it's all right, but you know that you're gonna lose a little bit of effect. I would recommend as well to charge the car when you come home after a trip, and not when it's cold, so that the battery has worked a little bit and it's a little bit warm, so it takes a little bit more than he used to in winter, which means that I would definitely avoid a fast charger or supercharger, because you don't get the full effect. So it, in a way, it's I don't want to say it's stupid, but I mean, it's not wise to use a supercharger in the winter if your battery is cold, because you won't get full effect, but you will pay the full price. In here in Norway, you pay for the you don't pay for the kilowatts in some of them, you pay for the time you are plugged in. So if you are plugged in 5, 10, 15 minutes, and you just take about 3 kilowatt hours, those 15 minutes you pay full pot. So it's not wise. So that's it for the battery. The last part is the comfort, which means the heating inside. Some of the car have apps or possibility to heat the car while you plugged, so use it as well. That's really really good to do, so that when you sit in the car is warm. On the first generation MG, you don't have that possibility, so but there is a few tricks you can use. For example, use the seat warmer if you have, because it will take a little bit less electricity than the warming system. Some car have a warm pump, but it will take as well electricity. So the warming system, use it wisely. You don't have to have it all the time. You can just have it warm up the car and just stop it for a little while. So I think that's it. That's my recommendation if you drive with an EV. La partie française, chers amis francophones, donc nous allons parler de la préparation du véhicule en hiver, vu que c'est
On va parler des EV en hiver. La deuxième partie va être la batterie et la troisième partie va être confort intérieur du véhicule. Donc, avant, je suis membre d'un club qui s'appelle MGEV Community, MGEV Community. Je vais mettre le lien dans la description. Ils ont aussi un podcast sur YouTube. En général, c'est le lundi. Donc, vous pouvez aussi participer. Donc, c'est en direct. Et je vais aussi mettre le lien dans la description. Donc, et n'oubliez pas de aussi vous inscrire à mon canal. Donc, préparation. Moi, j'utilise personnellement un spray silicone. Donc, je vais sprayer toutes les parties plastiques des portes intérieures. Comme ça, si c'est humide et puis la voiture et puis gèle dehors. Ici, il fait moins 11. Donc, il y a intérêt à ce que les portes ne gèlent pas. J'utilise aussi ce gel dans la partie arrière, donc le coffre. La partie avant, j'utilise pas beaucoup, à part la partie du chargement. Donc la porte de charge aussi, spray partout. Donc l'hiver passé, j'ai dû rouler avec la partie ouverte parce qu'elle n'était pas sprayée. Mais cet hiver, il n'y a pas de problème, j'ai moins 11. J'ouvre, ça ferme, c'est aucun problème. Et c'est grâce au gel silicone. Les poignées de porte aussi, je vous conseille de mettre un petit coup de spray aussi dans les poignées de porte. Le mieux, c'est si vous avez un garage chauffé. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais ce qui veut dire que on passe sur la deuxième partie qui est la batterie. Donc n'oubliez pas qu'avec un EV, véhicule électrique, vous perdez environ 20%, 20-25% de capacité de la batterie en hiver. La batterie réagit aussi au froid, elle réagit au chaud. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour avoir la batterie chaude est en plus déjà pour le chargement et puis pour la route, pour faire plus de kilomètres. Donc, moi, je vous conseille aussi de rouler, de mettre toujours un éco en hiver. Ça va charger, ça va tirer un peu moins d'électricité sur la batterie quand vous roulez. Si vous avez la possibilité d'avoir un garage chauffé, mettez la voiture dans le garage chauffé, chargez-la aussi avec la batterie chaude. Ce qui nous envoie sur un autre problème, c'est les supercharges à éviter à tout prix en hiver. Surtout ceux que vous payez, ici on paye à la minute. Donc imaginez 15 minutes. Et vous avez que 3 kW de batterie, c'est pas vraiment super. Donc c'est mieux d'utiliser un chargeur normal qu'un chargeur un supercharge en hiver. Si votre batterie est chaude, il n'y a aucun problème. Donc je sais qu'avec le nouveau modèle EV, il y a possibilité de chauffer la voiture et la batterie avant de pouvoir rouler. Donc c'est à conseiller, surtout si vous devez charger. Mais donc vous savez que si vous allez supercharger la voiture, il faudra un petit peu plus de temps. Donc les 40 minutes de 0 à 80, ça le fait pas en hiver. Donc la troisième partie, c'est le confort intérieur du véhicule. Donc si vous n'avez pas la possibilité de chauffer votre véhicule à l'intérieur, essayez d'utiliser si vous avez les sièges chauffants. Juste le fait de chauffer votre corps quand vous êtes dans le véhicule, ça va aider beaucoup aussi. Si vous avez froid partout au dos et puis en bas du dos et autres quand vous roulez, c'est pas vraiment sympa. Donc, utilisez les sièges chauffants. Si vous utilisez le chauffage de la voiture, moi je vous conseille de chauffer la voiture jusqu'à ce qu'elle soit assez chaude et après d'arrêter un petit peu le chauffage. Histoire que ça vous prenne pas que dans la batterie. Donc ça vous permet de gagner quelques kilomètres aussi. Et aussi, comme j'ai dit, rouler en éco, c'est la meilleure solution. Donc si vous avez d'autres tips et d'autres trucs, n'oubliez pas de les mettre sur le canal. Et puis à une prochaine. Ciao, ciao.